On est rendu à la dernière étape, finalement, de nos vidéos sur l'utilisation des radios Motorola XPR4550. Puis c'est la dernière étape et la plus difficile, évidemment. C'est une étape qu'on ne doit pas faire très, très souvent. Quand on a mesuré les paramètres de notre radio, si les paramètres de notre radio sont bons, si la sensibilité est bonne, si l'erreur en fréquence est bonne, etc., etc., donc on ne réajuste pas notre radio. Mais à l'occasion, si c'est un des paramètres est fautif, il faut aller faire une calibration du radio complète. Pour ça, on a besoin d'un nouveau logiciel qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, qui n'est pas le logiciel CPS, qui est plutôt le logiciel qui s'appelle Tuner. Alors voilà, on est maintenant rendu à faire la calibration des radios. Si jamais les caractéristiques, les mesures des paramètres des radios n'étaient pas tout à fait dans les normes, on doit venir faire la calibration du radio. La calibration se fait à l'aide du logiciel Moto Turbo Tuner. Quand on rentre dans le logiciel, même principe, on a un écran vierge jusqu'à temps qu'on fasse une lecture des paramètres de configuration du radio. Donc, dans les mesures de paramètres, on peut vouloir ajuster quatre items en réception. Les quatre qui sont ici, et six en transmission. On ne passera pas normalement à travers chacun, parce que c'est un peu long, mais normalement, il devrait se faire dans l'ordre, ici. Moi, je vais aller ajuster les principaux. Puis quand on ne sait pas tout à fait comment fonctionne l'ajustement, encore une fois, l'aide, elle est vraiment très bonne. On s'en vient dans Tuner Features, ici, au niveau RX, et le premier item qu'on veut faire, c'est le Front-End Filter. Vous voyez ici qu'il y a un Manual Tuning, puis un Auto Tuning. Donc, nous, on va aller voir l'auto-tuning, comment ça se fait, et toutes les étapes sont énumérées ici. Donc, on va aller faire, nous autres, ces étapes-là. Je ferme mon aide, et puis je m'en viens dans le logiciel Front-End Filter. Donc, je veux faire l'ajustement de ce bidule-là. Donc, je dois venir ici. Bon, évidemment, c'est un ajustement de réception. Donc, je dois venir mettre mon général dynamique en transmission. Donc, je m'en viens ici, Generate Frequency, puis la fréquence que je vais mettre, c'est celle que le logiciel me demande de mettre, 403.100, non, excusez, 1.5, Enter. Donc, je reviens à mon logiciel. Mon logiciel m'a demandé aussi dans l'aide de mettre un niveau de sortie de moins 70 dBm. J'applique ça sur le signal RF in-out qui s'en va directement à mon radio. Donc, quand je reviens à mon logiciel, 403.15, vous voyez ici, il y a un bouton d'auto-tune. C'est pour ça que j'ai réglé l'appareil à 403.15. Je vais faire un auto-tune. Évidemment, il faut que je m'assure que mon général dynamique soit RF on, la petite lumière verte soit allumée. Mon auto-tune a été faite. Il n'y a rien changé parce que je n'ai pas fini la procédure. Pour finir la procédure, je dois aller faire cette fréquence-ci. Et cette fréquence-ci, elle est à 447.725. Donc, je change ma fréquence pour 447.725. Enter. Et quand ça, c'est fait, je viens refaire ma deuxième partie d'auto-tune. Et là, vous allez voir que les softpods devraient normalement changer un peu. Bon, on ne les a pas vus changer parce que la procédure, je l'avais déjà faite auparavant, là. Mais il a optimisé l'emplacement de ces softpods-là pour avoir un signal de sortie de moins 71. Donc, on se rappelle qu'on avait mis moins 70 sur le général dynamique. Il nous sort moins 71, donc c'est bon. C'est sûr que mon appareil, il est encore après émettre à la fréquence 447.725. Si j'essayais d'aller faire un ajustement manuel beaucoup plus laid que les autres, donc là, j'aurais une perte de 70 à 87.5, j'aurais une perte de 17.5. Même chose si je m'en vais trop de l'autre côté, là, j'ai un signal qui n'est vraiment pas optimisé. Donc, le signal, il va être optimisé ici pour 87.5. Pour 71. Donc, il s'agit que je me déplace un peu pour avoir 71. Donc, présentement, je suis optimisé au niveau de mon signal. Je pourrais faire un ajustement manuel puis ajuster les 7 fréquences comme ça, une par une. Quand ça, c'est fait, right, je ne veux pas perdre tout de suite mon ajustement. Hein? Donc, je le fais. Radio. Je ne ferai pas les autres ajustements en réception. Je vais venir faire en transmission maintenant. Donc, en transmission, c'est la mode de transmission du radio. Donc, pour venir vérifier ça, évidemment, moi, je vais faire plutôt l'opération inverse sur mon général dynamique. Donc, je vais venir me mettre en réception. Et la fréquence demandée, c'est 469.975. Donc, 469
69.975. Enter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur mon logiciel à 469.975, tel qu'il est écrit ici. Je vais venir faire un PTT toggle, ce qui va mettre mon radio en émission. Quand mon radio s'en vient en émission, vous voyez ici que la barre de puissance vient d'apparaître. Puis surtout, on a une erreur en fréquence de moins 3 Hz, donc qui est excellent, là. Donc, je suis à 117 au niveau de mon softpot. Je vais monter à 174. On voit que mon erreur en fréquence est rendue de 1760 Hz. Si je vais de l'autre côté, mon erreur en fréquence va être négative de 1000 quelque chose Hz. Donc, le but, c'est d'avoir une erreur le plus proche de zéro possible. Donc, 25 Hz, je suppose que c'est bon. En bas de 100 Hz, c'est bon. Là, je suis à moins 6, donc je suppose que ça, c'est bon. Donc, je m'en viens faire un write. Et finalement, l'ajustement le plus difficile, le plus long, surtout le plus fastidieux, c'est l'ajustement de la puissance. Si la puissance, tout à l'heure, n'était pas exacte, c'est-à-dire que, disons, que je demandais aux radios 25 watts, puis il m'en poussait 30 ou 20, 21 ou peu importe, là, donc la puissance n'est pas exacte, on doit venir faire la procédure d'ajustement ici. Je vous explique la procédure. Il faut d'abord, bon, évidemment c'est une procédure de transmission, donc je mets mon General Dynamics en réception. Le radio transmet, mais le General Dynamics reçoit. Je m'en viens ici, je clique là, j'ajuste mon appareil General Dynamics à 403.1, donc je m'en vais l'ajuster. Monitor Frequency 403.1. 0.100, Enter. Ensuite de ça, je vais venir dire à mon radio PTT toggle. Quand ça c'est fait, mon radio vient de commencer à émettre. Je regarde la puissance ici. La puissance qu'auparavant j'avais mis en watts, hein, évidemment c'est plus facile. Donc ici, je peux y aller en dBm ou je peux y aller en watts. Mais c'est beaucoup plus facile d'y aller en watts. On n'a pas de calcul à faire. Donc 22.10. Je fais PTT off. Et je m'en viens ici dans mon logiciel, puis j'écris 22.10. Ensuite, je vais faire ça pour la même chose, le deuxième ici, 414.25, 425, donc pour chacune des 7 fréquences. Ensuite, je vais cliquer ici, puis je vais aller recommencer pour 403.1, deuxième fréquence, troisième fréquence. Donc, je dois tous les faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4. Il y a 28 ajustements que je dois faire dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, donc jusqu'au 28e ici. Quand ça c'est fait, je peux faire un write sur mon radio. Si j'ai bien fait ma tâche, normalement mon radio est maintenant calibré. Donc s'il est calibré, ça veut dire que je n'ai plus besoin du logiciel Moto Turbo. Je vais le laisser ouvert. Mais je n'en ai plus vraiment de besoin. Et puis là, on va venir avec le radio. Donc, je m'en viens sur mon radio maintenant, puis je vais sélectionner, un instant, il faut que je ferme absolument mon logiciel Moto Turbo. Donc, je le ferme, parce que si je ne le ferme pas, l'appareil reste, il était resté en mode RF test. Donc là, l'appareil vient de se fermer, il va se réouvrir, mais en mode de fonctionnement normal. Là, je vais commencer par le canal 1. Donc, le canal 1 des vendeurs, qui était un canal, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'était un petit L, c'était un low power. Et le low power était ajusté pour 25 watts. Maintenant, je vais prendre ici mon PTT. J'appuie. Évidemment, je vais aller sélectionner la bonne fréquence. Monitor Frequency 460.95. Enter. Je m'en vais avec mon PTT. J'appuie. L'arrêt apparaît. J'avais réglé pour 25 watts. J'étais à 24.78, donc c'est très bien. Ensuite, je peux aller sur le canal 2. Le canal 2, je ne me rappelle plus quelle était la fréquence, mais je pense que j'avais changé de fréquence. Je pense que j'avais mis 465.9625. Mais surtout, pourquoi je mets sur le canal 2, c'est que le canal 2, c'est un canal de haute puissance. Donc, si j'appuie maintenant sur le PTT, on voit que l'arrêt vient d'apparaître. La haute puissance était réglée à 40 watts. Ici, mon appareil me dit 39.02 watts. Donc, on ne s'ostinera pas pour un watt. C'est bien ajusté. Ma calibration est faite.